Ça va être un jeu d'enfant. En 45 minutes, on est sorti. C'est parti. Tension normale. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Chute de tension. Et les autres constantes? Il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose d'anormal. Qu'est-ce que vous avez fait? On va le perdre. Vous les avez appelés? Oui, ils arrivent, ils arrivent. L'oxygène. Donnez-lui un peu plus d'oxygène. Ils sont Je suis au maximum. Laissez passer. S'il vous plaît, dégagez le passage. Enfin, bon sang, qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne devriez pas être là. Sortez tout de suite ici. Parce qu'il avait peur. Non. Augmentez le débit. C'est fini, on l'a perdu. La barbe, on est mardi. La barbe, la barbe, la barbe. Et là, il n'y a que les adultes qui peuvent dire des gros mots. Pourquoi que les adultes? Parce qu'on a le droit. En principe, la barbe, c'est pas un gros mot. Dans cette maison, c'en est un. Jolene. Jolene. Arrêtez les filles, c'est compris? Allez, les trésors. Un petit sourire. Un sourire. Mangez. Allez, mangez, j'ai dit. Je mange, je mange. Pour en revenir au mardi, qu'est-ce qui cloche? Il faut que je mette ma voiture au garage. Ah, eh bien, je vais l'y amener. Tu n'as qu'à prendre la mienne. C'est vrai, ça? Oh, c'est gentil. Tu veux bien? Oui. Tu m'appelles au bureau pour me dire ce qu'ils t'ont dit? Oui, je t'appelle. Un baiser de Jolene. La barbe. Oh, petite peste. Chérie, est-ce que tu vas revenir tard? Oui, j'en ai bien peur. Ma journée est surbookée et l'affaire Blanchard arrive à un point critique. Ouais. Ken, tu sais que je n'y peux rien. Tu le sais très bien. Remets-toi bien, trésor. D'accord, imprime-le-moi et dis à Ackerman que je serai là dans 10 minutes. Parfait. Maman? Oui, qui c'est? Je vais bien. C'est moi, maman. Oh, Bess, je croyais que c'était cette fille. Je t'ai acheté ton jus de canneberge. Où est la jeune femme? C'est pas le jour où elle doit venir chez toi? Je l'ai renvoyée. Je pense qu'elle vole. Elle ne vole rien du tout. Oh, ne me dis pas que cette fille ne vole pas. Je l'ai prise la main dans le sac. Je laisse 6 pièces de 25 cents ici chaque jour avant d'aller laver mon linge. Aussitôt après mon petit déjeuner ce matin, je suis allée laver mon linge. Et il n'y avait plus de pièces. Tu as peut-être oublié... Qu'est-ce que tu veux dire? Que je suis vieille, que je n'ai plus de tête, n'ai rien oublié du tout. C'est elle qui me les a volées. Tu lui as demandé? Non, si on accule un criminel dans ses retranchements, il peut devenir violent. J'appellerai l'agence demain et je demanderai une autre fille, avec des références cette fois. Tu peux pas prendre de photos quand je suis plus à mon avantage. Tu es toujours en beauté de toute manière. Je ne sais pas comment Ken et les enfants peuvent supporter en permanence d'avoir ce truc devant le nez. Je les ai eus à l'usure. Au fait, comment va Kenny ces temps-ci, ça s'arrange? Il est en forme. Il est en forme? Tant mieux. Alors dans ce cas, il peut reprendre le travail. Il a besoin de temps, maman. Ah, ce qu'il lui faut, c'est un bon coup de pied dans les fesses. Vous revoilà? Oui, j'ai commencé votre lessive et je tenais à la rapporter avant de m'en aller. Oh, bien. Laissez tout ça dans la chambre. Je m'en occuperai plus tard. Dans le plus fort, je t'entends mal. Tommy, dépêche-toi, on est en retard. Mais oui, c'était convenu comme ça. Ouais, d'accord. Vous êtes en retard. Bonjour, Victoria. Ah, les Blanchard ne veulent pas aller jusqu'au procès. Ils préfèrent s'arranger. Ackerman est d'accord et il a dit, je cite, contenter ses andouilles et boucler le dossier. Rien d'autre qui presse? Oh, une misère. 3 dépositions, 2 comparitions au tribunal, 5 petits rendez-vous et 2 déjeuners. Ah, vous avez faim, j'espère? Je meurs de faim. Je n'ai rien avalé ce matin. Les dossiers sont bien dans mon bureau? Sûr. Oh, et une vieille amie à vous est là en train de vous attendre. Qui ça? Hélène Robertson. Ce n'est pas une amie à vous. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez m'appeler Madame Blanchard, s'il vous plaît? Bonjour, Hélène. Bonjour, Bess. Je m'excuse d'être passée sans avoir de rendez-vous. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Nous étions fiancés. Je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive. L'enterrement a eu lieu il y a 2 semaines. Je n'arrive pas à décider s'il me faut ou non intenter un procès. Intenter un procès? Contre l'hôpital Riverside? Quelle ironie du sort. Excuse-moi, il faut que je prenne. Madame Blanchard, Bess Garrett à l'appareil. Écoutez, nous préférons accepter leur proposition. Oui, je comprends que vous ayez hâte d'oublier cette pénible affaire. Mais les médecins, en général, sont plutôt opposés aux arrangements à l'amiable. S'ils ont la moindre chance de gagner un procès, ils préfèrent aller en justice. Les compromis sont mauvais pour leur réputation. Le fait qu'ils en demandent un eux-mêmes met la balle dans notre camp, ça c'est clair. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas accepter une offre aussi modique. Je suis fatiguée. Wendell aussi est fatigué. C'est vraiment trop. Madame Blanchard, est-ce que vous préférez avoir 800 000 $ d'ici quelques semaines dans votre poche ou plusieurs millions dans un an? Mon Dieu, autant que ça? Bon, alors c'est d'accord. Vous avez fait le bon choix, Madame Blanchard. Au revoir. Tu es très douée. Merci. Si tu m'expliquais tout. C'était une intervention des plus banales. Des calculs biliaires. Il devait sortir de l'hôpital au bout de 24 heures. Il n'y avait aucune raison que ça se passe mal. Je sais très bien comment ces opérations se déroulent. Je savais très bien quelles étaient les questions à poser. Or, l'hôpital ne m'a donné que des réponses très évasives. Tu penses donc que quelqu'un a commis une erreur? Randolph, Wiman, Kay sont toujours les avocats de l'hôpital Riverside. Ils demanderont à ce qu'on m'enlève l'affaire, étant donné que je connais bien l'hôpital. Ils en ont le droit? Ils essaieront. Je vais quand même tâter le terrain. Je te rappellerai. Je te remercie, Bess. C'est très aimable à toi. Je t'en prie. Comment va Ken? Eh bien, ça dépend des jours. Ça dépend. Transmets-lui mon bonjour. Ouais. Là, il faut multiplier. Je peux répondre? Vas-y. Allô? Salut, maman. Maman veut savoir si sa voiture a été réparée. Ouais. Oui. Ah, c'est super, ma chérie. Tu peux me passer ton papa ou il joue à Jackie Chan avec ta sœur? Il me fait mes devoirs pour que j'ai des A. C'est vrai, ça? Parce que si c'était toi qui les faisais, tu n'en aurais pas. Bien sûr que si. Mais comme ça, ça lui donne l'impression d'être important. C'est bien raisonné, Abigail. Comme une grande personne. Oui, je sais. Tu me passes papa, s'il te plaît? D'accord, je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Tiens, papa. Merci. Salut. Salut. Tu allais m'appeler? Maintenant? Je comptais t'appeler de la maison. Ah, je vois. Tout se passe bien? Ouais, la lessive est faite, la maison est propre, pas de problème, monsieur assume. Tu ne devineras jamais qui veut me prendre comme avocate. George William Bush? Non. Hélène Robertson. Tu plaisantes? Elle est venue à mon bureau ce matin. Tu as refusé au moins, j'espère. Bess, j'espère bien que tu as dit non. Je ne crois pas pouvoir accepter de toute façon. C'est contre Riverside. Elle veut leur faire un procès? Ça alors, c'est le comble de l'ironie. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. Ils l'ont virée de leur établissement. Et je crois que c'est une affaire suspecte. Comme ça a été le cas pour toi. C'est un procès pour mort accidentelle. Quoi? Celle de son fiancé. Ça rapporterait de 3 à 5 millions de dollars. Les frais d'université pour les filles, chérie. Bess, surtout n'accepte pas. Je t'en prie, chérie. Je regrette, c'est trop tard. Vite, on est en train de le perdre. Papa, respire bien à fond et ça va aller. Tu entends? Viens, il faut qu'on y aille. Allez, viens, tout va bien. Dépêche-toi, Jolene, il faut qu'on rentre. T'en fais pas, papa. On va bien s'occuper de toi. Ainsi, messieurs, il paraît que vous avez une proposition à nous faire. Oui, nous vous l'avons faxée à votre bureau. Pas de panique, Doug. Nous avons eu votre fax. C'était seulement une entrée en matière. On peut discuter? Je ne crois pas que ce soit vraiment indispensable. Eh bien, je suis d'un avis absolument opposé. Il y va de votre intérêt. Discutez. Nous sommes prêts à aller jusqu'au procès. Nous vous faisons une proposition tout à fait correcte. Pourquoi persister dans votre intention de nous faire un procès? Ce point est primordial, ma cliente, dans cette affaire. Je tiens d'ailleurs à vous faire remarquer qu'il n'a pas encore été soulevé. Et je compte bien avoir une réponse à ce sujet. Vous ne tenez aucun compte des intérêts de ma cliente dans votre argumentation. Non, honnêtement. Très bien, si c'est comme ça. Au suivant. Très bien, messieurs. Je pense que nous avons épuisé tous les sujets de discussion. Attends, il faut le rappeler. Minute. Je suis navrée, je n'ai pas le temps. Écoute, à l'extérieur de ces murs, nous sommes toujours amis, je me trompe? Je vous rattrape. D'accord. J'aime mieux ça. Ce n'est pas parce que tu as changé d'équipe qu'on ne peut pas boire une bière après le match. On n'est pas encore à l'heure du déjeuner. Pas d'audience d'ici là. Eh bien, moi, j'en ai. À propos d'audience, le Riverside te donne toujours autant d'affaires à plaider? Toujours autant. À la seule différence que c'est moins drôle que quand je faisais corps avec toi. Tu es vraiment incorrigible. Oui, certainement. Tu te rappelles pas? Je suis mariée, j'ai 2 filles. J'ai le droit de garder mes fantasmes dans le temps. On fait un marché. Lequel? Ok pour tes fantasmes, si je me charge d'une affaire contre Riverside sans que tu t'y opposes. Mais ce n'est pas juste comme marché. Moi, je trouve que si. Si jamais je prends l'affaire, tu ne me feras pas d'histoire. Sauf si je vois que tu as une chance de gagner. Tu peux ne pas le croire, mais ça me manque de ne plus bosser avec toi. Ah, ce cabinet est en train de démolir l'esprit de compétition. Tu pourrais arrêter, s'il te plaît, ces figures de rhétorique sportive. D'accord, qu'est-ce que tu nous réserves? J'ai dans l'idée qu'ils vont pas trop apprécier de t'avoir comme adversaire. C'est parce qu'ils ont peur que je les batte sur leur propre terrain. Ah, c'est un risque éventuel. Dès que l'affaire sera en route, je te ferai parvenir le dossier. et tu me transmettras le dossier interne de Riverside en contrepartie. Top là. Bess, tu viens faire un petit pèlerinage ou tu veux revenir défendre les bonnes âmes? Ne crains rien pour ta place, Bradley. Je ne veux pas la prendre. Je n'en vois vraiment pas la raison. Tu ne gagnes après tout en une heure, pas plus que moi en une semaine. Travail dur, mais une bonne volée une ou deux fois à des pontes et après, un cabinet célèbre te paiera ta formation en fac de droit, comme ça a été le cas pour moi. Qui te dit que j'ai envie de vendre mon fonds? Je préfère peut-être trimer comme un malade dans la gestion des risques. Et que puis-je faire pour toi? J'ai besoin de quelques informations, Bradley, mais je ne vais rien te demander qui soit susceptible de constituer un conflit d'intérêts. Oh. Est-ce que tu as fait ton rapport interne sur la mort d'Arthur Glassman? Pas toi, non. Je ne pourrai jamais sortir d'ici si je dois encore une fois me battre contre toi. Oui, nous avons effectivement terminé notre enquête. Est-ce qu'il s'y trouve mêlé qui que ce soit que j'ai moi-même défendu dans le passé? Non. Bien. Tu représentes qui? La fiancée de Glassman, Hélène Robertson. Quoi? Bradley, chaque fois qu'il y a une faute professionnelle, il est normal que j'intervienne. Elle a un sacré toupet de nous poursuivre en justice. C'est elle et tout le monde de cette équipe qui devrait nous payer des dommages et intérêts. Ah, excuse-moi, Bess, ça a dépassé ma pensée. Ce n'est pas grave. Comment va Ken? Parfois, il est déprimé à tel point qu'il ne se lève même pas. Rien n'y fait, malheureusement. Ni les remèdes, ni la thérapie, ni les enfants, ni moi. C'est pour ça que je suis forcée de prendre tout ce que j'ai apparemment une chance de gagner. Je ne suis même pas sûre qu'il va se remettre complètement de cette dépression un jour. Tu permets, Jolene? Soir les filles. Maman! Soir maman. Alors, vous avez été bien sage et oui. Gentille avec Wendy? Bonsoir Wendy. Ken se repose? J'ai un cocktail. Je suis repassée parce que je tiens pas du tout à aller là-bas en familial. Ah oui, je comprends ça. N'est-ce pas? Vous pouvez rester? Ça me fera de l'argent en plus. Ça m'arrange bien. Vous n'aurez qu'à partir quand ces deux petits anges seront au fond de leur lit. Oh, oh. Oui, 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 oui. Oh. Je viendrai vous embrasser. Bonsoir. Bonsoir. Dis-moi, comment tu te sens? Non, je suis fatiguée. Wendy va rester avec les filles. Tu vas encore ressortir? C'est un de mes clients qui donne un cocktail, il le faut. Tu vas accepter de défendre Hélène Robertson? Ken, j'ai... Est-ce que tu ne peux pas confier ça à un autre avocat de ton cabinet, Bess? Chérie, écoute, c'est mon travail. C'est une affaire pénible. Oui, mais Hélène n'y était pour rien, Ken. Ce n'était la faute de personne. Pas vraiment. Si, c'était la faute de quelqu'un, ben c'est ma faute si tous ces gens ont perdu leur boulot. Alors ça devrait te faire plaisir que je puisse aider l'un d'eux? Dick. Bonsoir, comment allez-vous? J'en suis ravie. Il y a une sacrée ambiance, on dirait. Cette exposition est un succès. Merci. Tu te rappelles? Oui. Eh bien, ça m'a drôle. Vous n'avez pas de cosmopolitan? Eh bien, un vin blanc. Oh, désolé, pardon. Depuis quand tu t'intéresses à la photographie? Depuis que le photographe a une opération loupée à l'œil. Oh, c'est une excellente raison. Qui t'a laissé entrer? En fait, pour l'instant, socialement, je suis en haut de l'échelle, mais d'ici quelques temps, on ne peut pas savoir. Donnez-moi la même chose qu'elle et mettez-le sur la note de madame. Sympa de ta part. Mais j'ai toujours admiré ton excellent goût. Ça me flatte, enfin, je crois. Tu vois, j'ai dans l'idée que tu es amère parce que tu n'as jamais pu m'avoir. C'est bon, là, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux? Si on parlait boutique. Est-ce que tu me laisses le choix? Non. Quelle affaire? Les deux. Je t'écoute. À titre confidentiel, un conseil d'ami. Fais ce que les Blanchard te demandent. Ça ne peut aller qu'à la baisse et Blanchard ne vivra pas jusqu'au procès. T'auras essayé? Qu'est-ce que tu as glané sur Glassman? Deux choses. La première, c'est un personnage qui était assez louche. Ses réductions de bénéfices pourraient bien venir de réductions de rentrées illicites. Tu en es sûr? Et puis quoi d'autre? Il y avait une infirmière pendant qu'on opérait, Bonnie Canuso. Et elle a disparu depuis lors. Elle n'est jamais revenue, l'hôpital ne sait pas où elle est. Et c'est elle qui est la responsable? Je n'ai pas dit qu'elle était responsable, jamais de la vie. Je viens de te dire qu'elle est nulle part et que j'aimerais bien la retrouver. Je te crois. Hey, Doug! À plus. Jolene, viens par là, ma chérie. Allez, viens. Oh. Je venais de pratiquer l'incision quand le patient a fait tout à coup un arrêt cardiaque, ce qui bien sûr n'a pas facilité la tâche pour mettre en œuvre les méthodes de réanimation, puisque nous devions aussi nous préoccuper de cette incision. L'arrêt cardiaque a-t-il eu un rapport quelconque avec cette incision? Non, non. L'autopsie a révélé une quantité importante de diprivan dans l'organisme. C'est ce qui a causé l'arrêt cardiaque. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est et la raison de sa présence? Le diprivant est un agent anesthésique qui est administré par dose de 2,5 mg, ceci par kilo selon le poids du patient. Monsieur Glassman avait un excédent de 50 mg de diprivant dans l'organisme. Et combien faut-il de temps avec une telle quantité de diprivant à un cœur humain pour s'arrêter? Approximativement 10 minutes. Par conséquent, on lui a administré cette dose moins de 10 minutes avant de faire cette incision? En principe, oui. Cela faisait-il plus de 10 minutes que Monsieur Glassman était en salle d'opération? Il y avait été amené environ une vingtaine de minutes auparavant. Qui d'autre était présent dans le bloc avec lui pendant ce temps-là? L'aide-soignant qui l'avait amené, le docteur Block, l'anesthésiste ainsi que deux infirmières en chirurgie. Sally Evers et Bonnie Canuso? Oui, il me semble que c'est bien leur nom. À ce qu'on m'a dit ces derniers temps, Bonnie Canuso aurait disparu. C'est effectivement vrai. Et d'après vous, la dose mortelle de diprivant a été administrée par une de ses employées? Ça ne tient pas debout, allons. Ce n'est pas ce que je vous demande, docteur Lasset. Ce que je vous demande, c'est si les faits corroborent cet état de choses. Oui. C'est ce que les faits nous disent. Merci, docteur Lasset. Allô? Bonsoir, Ken, ici Hélène Robertson. Est-ce que Bess est là? Non, Hélène, elle n'est pas là pour l'instant. Je lui dirai de te rappeler ce soir, d'accord? Je peux te laisser mon numéro? Oui, ton numéro. Oui. Attends une minute, je... Il faut que je cherche... Ça y est, j'ai ce qu'il faut. Je t'écoute. 555-0192. D'accord, merci. Et voilà, c'est terminé. Recoule Hélène, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Code bleu, on est en train de le perdre. Toujours rien sur le moniteur. Sur le moniteur. Il faut stopper l'hémorragie. Heure du dessert. Tu vas bien? Ouais. Tu es préoccupé, on dirait. Je voulais attendre qu'on ait fini de dîner. Hélène Robertson a appelé tout à l'heure. Oh, Ken, il faut m'excuser. J'ai pas réfléchi. Tu sais, je donne toujours mon numéro personnel à mes clients. Elle veut que tu téléphones ce soir avant 10 h. Appelle-la. Tu sais, ça me fait plaisir en réalité que tu essaies de faire quelque chose pour elle. Ah oui, vraiment. J'ai parcouru les dossiers de l'hôpital et nous avons commencé à prendre les témoignages du personnel. Ça a débouché sur certaines choses. Du genre? Qu'est-ce que tu savais des activités d'Arthur exactement? Il m'a toujours très peu parlé de ses activités professionnelles en fait. Il vendait du matériel industriel. Pour un quart de million de dollars par an? Oui, il était très doué dans son domaine. Hélène, si nous allons devant des jurés un jour, et que la défense réussit à prouver que les activités d'Arthur étaient plus que suspectes, ça compromettrait notre requête pour perte de revenus. C'est absurde, c'était un homme honnête, Bess. Il travaillait très dur. Si je te pose ces questions, c'est uniquement pour ton bien. Je ne tiens pas à avoir des surprises une fois au tribunal. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aies envie de me dire? Seulement que je l'aimais. Et qu'on me l'a enlevé. Je vais faire un petit tour à son bureau pour aller bavarder avec ses employés. Je demande quelqu'un de précis. Non, je vois pas. Je te raconterai ce que ça a donné. Tu m'as dit avoir appris autre chose. Oui. Une des infirmières en salle d'opération a disparu. Bonnie Canuso. Tu la connaissais? Oui, sans plus. En fait, je l'ai vue qui sortait en courant de la salle d'opération ce jour-là. Elle semblait chamboulée. Selon l'hôpital, elle est partie le jour de l'opération et elle n'est plus revenue travailler ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut que nous la retrouvions. Le Zoloft ne me suffit pas. Il me faudrait de la Ritaline. Tu préférerais pas de la cocaïne? Très marrant. Ken, tu sais aussi bien que moi que ta dépression n'a rien de clinique. Tu vois toujours le docteur Johnson? Ce type est un demeuré. Non, pas du tout. C'est un bon médecin. C'est ça. Et il faut que tu le vois toutes les semaines, pas juste une fois de temps en temps quand ça te chante. Non, ce que je veux, c'est me sentir dans les vapes. Tu pourrais revenir ici et rembrayer tout doucement. Venir aider sur 2-3 petites choses. En tenant un couteau à beurre, je tremble sans arrêt. Honnêtement, tu crois que je pourrais tenir un scalpel? Je ne suis pas prêt. Je suis même très loin d'être prêt. Très bien. Je t'aurais prescrit du Zoloft. Si tu me promets de retourner voir le docteur Johnson. Très bien. femme est engagée dans une affaire contre nous. Ouais, je sais. Tu es impliqué? Non, j'échappe aux flammes de justesse. Mais Block et une des infirmières semblent être dans la ligne de mire. Ouais, c'est son boulot. Drôle de boulot que celui de bousiller la vie de tes collègues. Tu ne peux pas influer sur elle? T'as jamais rencontré ma femme? Et si, une fois. Mmh. Et je ne comprends pas comment tu peux dormir dans le lit de l'ennemi. Eh oh, doucement, là, vaut mieux pas m'entraîner sur ce terrain-là. Très bien. Walter! Bess! Vous allez bien, maître? Votre visage sympathique me manque. Et moi, le vôtre. Vous poursuivez toujours les négligents? Eh oui. Et vous, vous portez toujours vos tennis? Je plaisante, tu sais. J'ai vu trop de films policiers. Alors, qu'est-ce que tu veux? Retrouver une personne disparue. Un jeu d'enfant. Madame Garrett, une minute, je vous prie. Bien. À 5h15 cette nuit, votre client Wendell Blanchard est mort. J'espérais le voir se maintenir. Comme nous tous, car son témoignage était crucial. Madame Blanchard, je pense que nous avons fait une erreur tactique. Elle a mis fin à nos engagements et cherche un nouvel avocat. Je vais lui parler. Je l'ai déjà fait. J'ai peur que sa décision soit sans appel. Vous aviez été chargé de régler cette affaire à l'amiable il y a 15 jours. Que s'est-il passé? Je pensais pouvoir obtenir plus. En temps normal, j'aurais apprécié ce genre d'initiative. Mais lorsque vous recevez un ordre venant de mon bureau, c'est pour que cet ordre soit exécuté. Je vous prie de m'excuser. Cela ne se reproduira plus. Non, Madame Garrett. Cela vaudra mieux pour vous. Vous vous servez souvent de ce produit, le Diprivan? De temps à autre. Avez-vous appris à vos infirmières la façon de l'administrer? Oui, bien entendu. Les deux infirmières vous assistant ce jour-là, connaissent-elles bien ce produit? Il faut leur demander à elles. Par malchance, il n'y en a qu'une à qui je peux le demander. Madame Garrett? Le docteur Block n'est pas responsable des actes de Bonnie Canuso. Il l'est à partir du moment que ça se passe au Block, et c'est pour ça que j'essaie de savoir exactement ce qui s'y est déroulé. Mademoiselle Canuso n'était même pas inscrite comme devant faire partie de mon équipe ce jour-là. Je lui ai d'ailleurs demandé Je lui ai demandé de quitter la salle d'opération. Que faisait-elle là? Encore une fois, c'est à elle qu'il faut poser la question. Et vous lui avez demandé de s'en aller avant ou après avoir constaté l'arrêt cardiaque du patient? Après. Vous cherchez quelqu'un, peut-être? J'aurais voulu avoir quelques petites informations sur Arthur Glassman. Je suis là pour le compte de sa fiancée. Oh, je vois. Suivez-moi. Ah, merci. Veuillez nous excuser, nous ne sommes pas installés pour recevoir des visiteurs. Nous allons d'habitude au restaurant de l'autre côté de la rue. Il n'y a pas de mal. Artie était mon mentor. Il m'a débauché d'une boîte d'informatique qui marchait plus très bien. Ça a été la chance de ma vie. Sa disparition est un vrai drame. Oui, je comprends ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je désirerais en savoir le plus possible sur Artie et ses activités. Ceci dans le but d'obtenir des dommages et intérêts pour sa fiancée. Je vous écoute. Nous nous sommes laissés dire que les rentrées d'Artie n'étaient peut-être pas tout à fait licites. Pas du tout. Enfin, je veux dire, si vous avez un sens moral inflexible, vous pouvez ne pas apprécier, mais ça rapporte bien et ça fait de mal à personne. Je vous montre. Mmh. Oui, la maintenance, je vous prie. Qui est à l'appareil, là? Salut, le roi. Qu'est-ce que tu deviens, mon grand? Ça gaze? Comment? Comment ça qui est à l'appareil? C'est Georges Gershwin. Oui, ton fournisseur. Dis donc, mon pote, je suis passé l'autre jour avec une bonne nouvelle, mais tu devais être sorti déjeuner, je pense. Sûrement. Alors, écoute, on envoie des bons d'achat de 25 $ chez JCPenney à nos clients préférés. C'est la bonne nouvelle dont je te parlais. Et j'ai profité de ma visite pour faire une liste de votre matériel en stock réduit. Est-ce que tu veux que je t'envoie ça en même temps que les bons d'achat? C'est d'accord, mon grand. Toutes ces pièces de maintenance nous coûtent environ 100 dollars, qui iront à notre ami le roi, tout comme le bon d'achat, ce qui nous fait un total de 125 $ de frais en tout, une bricole. Puis nous envoyons la facture au siège social avec l'accord de mon copain. Et dans ce cas précis, la facture sera d'un montant de 987 $. C'est le prix à payer. Ah, on fait un joli bénéfice et ça n'a rien d'illicite. Des gens pourraient considérer que ces procédés sont frauduleux. C'est une simple majoration de facture pour moi. Par ailleurs, ils ne peuvent pas le prouver. En effet, il y a peu de chance. Est-ce qu'il est arrivé qu'Artie vous parle de sa fiancée? Alors, juste en passant, Artie gardait sa vie privée pour lui, il n'en parlait jamais. Il paraît qu'elle est pas mal. A-t-il encore, par hasard, des affaires personnelles ici? Non, j'ai tout mis dans une boîte et je l'ai laissé dans un entrepôt sur la 11e rue. C'est des bricoles, mais je me suis dit qu'on pourrait les réclamer un jour. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de me les faire parvenir? Il n'est pas impossible qu'il y ait dans cette boîte quelque chose qui puisse m'être utile. C'est d'accord. Merci. Vous avez été super. Les filles? Wendy? Wendy a dû sortir pour faire des courses. Les enfants sont avec elle, elles seront de retour vers 6 heures. Ce qui fait que l'on a 2 heures devant nous. Hélène, je peux savoir ce que tu fais ici? Je suis venue fêter un grand événement. J'ai engagé ta femme pour qu'elle me fasse gagner une grosse somme d'argent, Kenny. D'ici peu, je serai riche. Riche, riche, très riche. Je te sers un verre de ce délicieux chardonnay. Nous en avons vu de dur, n'est-ce pas, Kenny? Pendant que ta femme s'escrimait à régler leur compte à tes semblables. J'ai envie de toi. Avoue-le. Non, 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 arrête, Hélène. Avoue-le, avoue-le. Hélène. Pourquoi ne le dis-tu pas? Non, arrête, Hélène. J'ai envie de toi. Hélène. Écoute... Ta femme n'a pas le don pour faire le bonheur d'un homme tel que toi. Combien de temps ça fait, mon bébé, hein? Des semaines, des mois, Hélène, des années. Va-t'en, va-t'en, je t'en prie, tu partes. Laisse-toi faire. Arrête, Hélène, arrête, je te dis, lâche-moi, ça suffit. Je n'ai pas besoin de ça, point. Ce n'était pas ce que tu disais il y a 3 ans, quand ta femme te délaissait pour son travail. Hélène, je suis passée à autre chose et toi aussi, tu as trouvé quelqu'un d'autre, tu te rappelles? C'était parce que je ne pouvais pas t'avoir. Eh bien, c'est comme ça, je regrette. Mais ça ne résoudra rien du tout. Kenny, je ne veux pas être perdante une fois de plus. J'en ai plus qu'assez de toujours perdre. Oui, je comprends, Hélène. Hélène, c'était une erreur, et ça, c'est également une erreur. Cette erreur, à l'époque, m'a fait perdre mon travail. C'est toi qui l'as commise, tu as une dette envers moi. Non, Hélène, Hélène. Je suis quand là. Non. Attends, tout de suite. Tu m'es redevable. Je te déteste. Tire bien, Ken, une suspension et un blâme. Et les autres? Tu es réputé en pédocardiologie, tu sais, Ken. Et ceux de mon équipe? Ils ont été renvoyés. Tous? Oui. Je suis désolé. Allez, viens, mon chéri, viens. Vous avez tué mon petit! Vous me l'avez tué! Je vous en supplie, non, Katia, ne reste pas là! Vous avez tué mon fils! Vous avez tué mon fils! Allô? Ne m'en veux pas, mais je vais travailler tard ce soir. C'est pas grave, chérie. Il faut bien que tu fasses ce que tu as à faire. Je peux t'aider en quoi que ce soit. C'est gentil de ta part. Non, chérie, tu ne peux m'aider en rien. Embrasse les filles pour moi. D'accord. Je t'aime. Bonne nuit. Elle ne m'a rien dit, pas une seule parole. Elle a grommelé je ne sais pas quoi et elle est partie de la salle en courant. On ne l'a plus revue depuis. Pourquoi est-elle sortie en courant de la salle? Le docteur Block avait crié après elle. Crié? Et que lui a-t-il dit? Madame Evers. Qu'est-ce que vous avez fait? Enfin bon sang, qu'est-ce que vous faites ici? Vous dites que Mademoiselle Canuso a grommelé des paroles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il me semble que c'était... Il avait peur. Le patient? Monsieur Glassman? Oui, je suppose. Merci. Vous avez une audience cet après-midi à 4 heures. Tu as du temps pour déjeuner? Non, pas aujourd'hui. Il faut que je discute avec Victoria. Et tu travailles beaucoup trop. Si je travaille 2 fois plus dur que mes collègues masculins, on va peut-être finir un jour par me respecter. Et si tu défendais les droits à l'égalité des femmes en employant des termes sportifs, tu aurais tout le respect que tu souhaites. Merci de ta compréhension. Tu sais, il y a aussi un autre moyen d'arriver à être dans le peloton. Inutile, parce que je le suis déjà, sinon tu ne ferais sûrement pas autant d'efforts. Non, Garrett vient de marquer un essai. Ouais. Doug, dis-moi, est-ce que c'est Bonnie Canuso? Comme ça, entre nous? Oui, oui, bien sûr. On n'en sait rien. J'espère évidemment qu'elle a liquidé le gars, on serait hors de cause. Bien sûr. Au fait, je suis désolé pour l'affaire Blanchard. Comment tu as su qu'il allait mourir? Non, ça je regrette, je suis désolé, je ne peux pas te le dire. J'avais essayé de te prévenir. Oui, c'est vrai. Merci. Jolene, viens là, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Tu me suis, n'est-ce pas? Ken, le monde ne se limite pas à ta personne. Tommy a un asthme chronique et je veille sur sa santé. Je travaille maintenant en libéral, étant donné qu'aucun hôpital ne veut de moi. Je peux dire merci au Riverside. Mais tu sais que je viens dans ce parc. Il se trouve que c'est le seul parc dans ce quartier de la ville. Écoute, Ken, je sais ce que c'est. Tu fais un peu de parano, je crois. Abigail, viens ici, chérie. Viens là, on s'en va. En route. Allez, partez. Salut, Doug. Salut. Enfoiré. Arrête, elle est pas de moi, cette idée. Riverside ne veut simplement pas te voir plaider contre eux. J'ai étudié avec beaucoup d'attention la requête déposée auprès de moi. Et bien que je comprenne parfaitement les préoccupations de l'hôpital, Madame Garrett n'a jamais travaillé avec le médecin cité spécifiquement dans cette affaire. Mais la position de l'hôpital, votre honneur, est que dans ce cas précis, il y a un joueur dans l'équipe adverse qui est illégalement sur le terrain. Monsieur Hertz, je n'ai pas pour l'instant rendu ma décision que je sache. Non. Me donnerez-vous le temps de la réfuter en cas de désaccord? Non. et comme je vous le disais, même si Madame Garrett a connu tout ce qui concernait l'établissement il y a 6 ans dans les moindres détails, vu le temps passé depuis lors et les changements de personnel, je ne pense pas que Madame Garrett serait favorisée de quelque manière en plaidant cette affaire. Mais, votre honneur, pourtant, elle représentait exactement les mêmes... Je crois bien que nous avons déjà discuté de ce sujet-là. Si je peux me permettre, si je dois m'incliner, au moins j'aurais tout tenté. C'était votre droit. La demande est rejetée. J'y vais. J'arrive. Enfin, qu'est-ce que tu fais ici? J'allais te demander la même chose. Qui vient encore me déranger? C'est nous, maman. Bonjour, grand-mère. Ina est ta mère? Je l'ignorais totalement. Bess, je te présente Hélène. Elle est beaucoup mieux que la précédente. Eh bien, j'en suis bien contente. T'as autre chose comme jus de fruits que de la canneberge? Non, que de la canneberge, c'est tout. Y a rien d'autre que j'aime. Bon. Je peux avoir du jus de canneberge, moi? T'as de quoi payer? Ben non. Eh bien, j'ai des courses à faire. Je vais me sauver et vous laisser tranquille. Je n'en ai pas pour très longtemps. À plus tard. À plus tard. Elle travaille là depuis combien de temps? Seulement depuis quelques jours. C'est elle, la dame du parc. Quelle dame? Non, 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 chérie, c'est pas elle, c'est pas cette dame-là. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, c'est rien. C'est rien. C'est le moment de prendre une photo, tu ne trouves pas? Oh, ah oui, bien sûr. Un petit sourire? Un sourire. Salut Walter, c'est Bess. Tu as quelque chose sur Bonnie Canuso ou non? D'accord. Dis-moi, j'aurais besoin de renseignements sur quelqu'un. Est-ce que tu pourrais faire ça pour moi? Hélène Robertson. Tout à fait. C'est ma cliente. Asseyez-vous, Madame Garrett. Il faut que l'on parle de l'affaire Robertson. Eh bien... Je veux que ça se règle vite. Et qu'il n'y ait surtout pas la moindre embrouille. Qu'est-ce que vous voulez dire? Saviez-vous que j'avais des vues sur un ranch au Texas? Une sorte de retraite de la grande ville. Un succès dans l'affaire Robertson peut largement compenser la perte de l'affaire Blanchard. Ça me permettra d'entrer en possession de ce petit morceau de paradis. Et je veux que vous me consultiez à chaque étape de l'affaire Robertson. Mais Madame Garrett, Bess... Vous êtes une excellente avocate. J'ai eu de la chance de pouvoir vous débaucher de chez mes concurrents, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que votre vigilance est quelque peu amoindrie par vos difficultés familiales. Je donne 100% de mon temps à mon travail, monsieur. Mais ce que vous obtenez comme résultat n'a rien à voir avec ceux d'avant. Non pas que je sois insensible, mais j'ai des frais généraux à couvrir. C'est votre affaire, vous l'avez amenée. Seulement, je tiens à ce que vous m'informiez à chaque étape. Est-ce bien clair? Oui, monsieur. Tout à fait clair. Sois maman, tu rentres tôt. Bonsoir les filles. Qu'est-ce qui cloche? Rien du tout. Est-ce que ce puzzle n'est pas un peu difficile? Si, mais je suis plus au cours élémentaire. Oui, mais moi j'y suis. Alors je suppose qu'il est trop difficile pour toi. Tu parles, tiens. Il se repose. Allez, donne. Bonsoir. J'ai dû m'endormir, je suppose. Mais cet état est indépendant de ma volonté. Je t'ai rien dit, Ken. Non, mais tu l'as pensé. Ce que je pense, c'est que... Allô? Oh, salut, Walter. Du nouveau pour moi? Quoi? J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Bonnie Canuso est morte. Qui ça? Il faut que j'y aille. Non, mais on était en train de discuter, là. Est-ce qu'on peut même pas discuter? Bah, je reviens aussi vite que je peux. Trouve-moi une minute dans ton agenda. Ses parents sont rentrés de vacances et l'ont découverte chez eux. Elle avait laissé une lettre, disant que sa culpabilité était trop lourde à porter après sa terrible erreur. Et il y a eu une autopsie? Ouais, résultat, overdose de barbiturique. Est-ce que tu peux m'arranger une entrevue avec les parents? Je vais essayer. Et à propos d'Hélène Robertson? En fait, elle a un casier vierge, mais elle a vécu des trucs moches. Elle est née à Atlanta dans une famille fortunée. L'année de ses 6 ans, son père a tout perdu et s'est brûlé la cervelle, en la présence d'Hélène. Bon, t'es divine. Et sa mère est morte d'un cancer l'année de ses 11 ans. Durant l'adolescence, elle a été ballottée d'une famille d'accueil à une autre sous tutelle judiciaire. Apparemment, elle a appris à servir de son charme pour améliorer sa situation. Ses amis de l'école d'infirmière ont dit qu'elle voulait du pognon et un mari. Elle s'est mariée à 20 ans. Le type est mort en bateau dans un accident un an après. Elle a fait valoir ses droits auprès de l'assurance vie de son mari. Mais sa famille a fait obstruction, et puis en fin de compte, ils ont récupéré tout l'argent. Pas terrible ton histoire pour s'endormir le soir. Il n'y a pas que ça. J'ai besoin de tout savoir, Walter. Selon un bruit qui court, Ken et Hélène auraient eu une aventure. Tu m'en diras tant. Salut. J'ai pas envie d'écouter. En fait, tu sais, c'était rien. C'était... Il y a des années maintenant, ça date de l'époque où on avait des problèmes. Tu te rappelles, on avait des problèmes et j'ai... Saisi la première occasion qui s'offrait. Très original. Enfin bref. Ça n'a plus aucune importance. Tu as raison. Quelle importance? Il faut maintenant oublier tout ça et essayer de ne plus penser qu'à nous. À nous? Il n'y a pas de nous. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et c'est comme ça depuis des années. On ne fait que vivre sous le même toit. Tu dors en permanence, moi je travaille. Ça fait pas un couple, ça. Je sais que tu es en colère. Non, je ne suis pas en colère. Je suis blessée. Je suis tellement déçue. Je suis fatiguée. Débordée. J'en ai marre. Ce n'était pas à ça que je m'attendais, Ken. Je n'avais pas comme projet de passer ma vie à assumer un mari malade qui refuse de faire le moindre effort. Là, c'est vraiment pas juste. Je vais te dire ce qui n'est pas juste. C'est que je sois tombée amoureuse d'un homme fort, compétent, pour me retrouver avec une lavette. Où est-ce que tu es partie? Où est-ce que tu es? Quand ça va mal à la maison, tu te pelotonnes dans les premiers bras qui s'offrent. Et quand ça va mal au travail, tu rentres en toi-même, tu te roules en boule. Chérie, ces 2 dernières années ont été un véritable enfer pour moi. Oui, c'est vrai ça. Et c'est dur pour tout le monde. Agréable surprise. Si tu veux mon avis, tu vas vite changer d'opinion. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bonnie Canuso est morte. Entrevoyant. Est-ce que je te sers un peu de café? Non. Et alors, ça veut dire quoi vis-à-vis de l'affaire? Ça veut dire qu'il faut que tu te trouves un autre avocat. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que je ne me sens plus capable de m'occuper de cette affaire avec impartialité. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie, figure-toi, que tu récupères le moindre dollar. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une photo qui était chez moi. Je t'ai pas vu chez moi sans que tu le saches. J'avais besoin de te voir, j'avais besoin de parler avec toi. Discuter? Bess, je t'en prie. Tu ne peux pas me laisser tomber, Bess. Je t'en prie, arrête. Tu n'as pas le droit. Ken m'a mise au courant. Te fatigue pas. C'est terminé. Trouve-toi un autre avocat et laisse ma famille tranquille. Ne me laisse pas tomber, Bess. Je te préviens gentiment. Ne me laisse pas tomber. Désolée, c'est déjà fait. C'est bien ça. Redites-le encore une fois, s'il vous plaît. Merci infiniment. Il t'envoie une nouvelle infirmière. S'il te renvoie la précédente, tu n'hésites pas à me le dire. Elle ne me déplaisait pas tellement, moi. À moi, si. Elle devait m'apporter une bouteille de canneberge. J'en ai plus du tout. Je te l'apporterai moi-même demain. Hélène Robertson vient de m'appeler. Vous ne pouvez pas vous désister comme ça. Je vous avais ordonné de ne pas prendre la plus petite décision sans venir me consulter avant. Je sais bien, monsieur, mais je ne peux plus m'occuper de cette affaire avec impartialité. La juge en avait décidé autrement. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, mes raisons sont personnelles. Vous n'avez pas à les faire entrer en ligne de compte, madame Garrett. C'est une entreprise ici. Alors ou bien vous faites votre travail, ou bien vous donnez ce bureau à une personne compétente. Oui, allô? Rejoins-moi en bas. Pourquoi? Nous allons voir les parents de Bonnie Canuso. Merci infiniment de prendre le temps de nous recevoir. Je sais combien ce doit être une période pénible pour vous. Ah, j'aime beaucoup parler de Bonnie. Ça a toujours été un plaisir pour moi. On m'a dit que vous aviez trouvé une lettre. En fait, ce n'est pas vraiment une lettre. Elle n'était pas du genre bavard. Elle préférait agir. Pouvons-nous la voir, cette lettre? Si j'arrive à la trouver, c'est ma femme qui l'a eue en dernier. Elle ne réagit pas aussi bien que moi. C'est compréhensible. Tu es à la recherche de quoi? D'un moyen de sortir de cette affaire. Ah, ben continue, ça m'intéresse. Walter, avait-on soupçonné dans la mort du mari d'Hélène un geste ou un acte criminel? Non. Tu sais quelque chose, apparemment. En fait, rien de concret. J'essaie d'assembler toutes les pièces du puzzle. Ouais, j'ai comme le sentiment que c'est Hélène qui est le lien entre toutes. Comme je le disais, c'est pas vraiment une lettre. Et c'est bien son écriture? Bien sûr. Pourquoi le demander? Oh, juste comme ça. Certaines erreurs sont impardonnables. Je ne peux pas vivre avec ce poids. Pardonnez-moi, Bonnie. Cette photo d'elle est une photo récente. Elle était tellement jolie. Oui, très belle. Oui, une jolie femme. Merci. Est-ce que vous pouvez nous la confier? Je vous promets de vous la rendre au plus vite. Merci à nouveau de nous avoir reçus. Courage. Merci. Allô? Grosse erreur. Tu n'aurais jamais dû mettre Bess au courant pour nous. Laisse-moi, Hélène, fiche-moi de ton. C'est ce que j'aurais fait si tu n'avais pas tout déballé sur mon compte. Oh. Je vais prendre le canapé pour dormir ce soir. Je me suis dit que c'était mieux. Je suis vraiment désolé. Oui. Moi aussi. Allô? Quoi? Oh mon Dieu. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont trouvé ma mère gisant sur le sol chez elle. Sans connaissance, perdant son sang. D'une blessure à la tête, semble-t-il. On l'a emmenée à l'hôpital Riverside. Elle est en soins intensifs. Très bien, je vais appeler Wendy pour qu'elle veille sur les filles. Ah, c'est pas la peine, je peux y aller toute seule. Bess, je viens avec toi. D'accord. Enfin, où est-ce qu'il est, le médecin? Il pourrait quand même au moins nous dire ce qui lui arrive. Ils doivent faire des tests, des analyses. Ça va leur prendre du temps avant de pouvoir poser un diagnostic. Ah, salut Dick, c'est toi qui t'occupes d'elle? Oui, j'ai de la veine. Bess, le sang de votre mère est trop fluide, ce qui fait que lorsqu'elle est tombée, elle en a perdu beaucoup. Quand on l'a découverte, ses constantes étaient très basses. Pourquoi il est fluide, son sang? En fait, il s'avère qu'elle a pris une trop forte dose de cumidine. De cumidine? Mais... ma mère ne prend pas de cumidine. Ah non? Non. Peut-être se l'est-elle procurée par l'intermédiaire d'un voisin, ou peut-être s'est-elle un peu embrouillée dans ses remèdes. Non, 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 c'est impossible. Ma mère a toute sa tête. Elle est parfaitement lucide. Non, il y a une erreur. Refaites les analyses. Très bien, mais nous aurons les mêmes résultats. Est-ce qu'elle va s'en sortir? N'en savons encore rien. Mais qui le sait alors? Calme, chérie. Donc, tu surveilles son temps de cuic? Oui, de même que son hémorragie interne. Tu lui as administré de la vitamine K? Oui. Donc, nous n'avons plus qu'à voir ce que ça donne. Exact. Nous faisons notre possible, Bess. Oui. Merci, Dick. Tu peux rester ici et m'appeler s'il y a du changement? Tu peux compter sur moi, chérie. Je reviens. Sur la clôture, Ferrano s'en saisit, mais Beck va marquer, tandis que Parkman touche la troisième et poursuit sa course. Il y a eu du changement? Non, mais vu son âge et la quantité de sang qu'elle a perdu, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, ça va. Il y a une chose qu'il faut que je te demande. Qui est là? Ken. Pour une surprise, c'est une surprise. Ça n'a pas l'air d'une visite amicale. Venons-en au fait, quel est ton objectif? Alors, vous voulez qu'on passe un accord? On veut que tu nous fiches la paix. Faut voir. Qu'est-ce que vous me proposez? Bess te fait avoir l'argent et tu nous oublies. Je doute fort que ça suffise. Je veux que tu aies envie de moi. D'accord. Peu importe le prix. J'en ai pour 1 minute. Kenny, c'était toi? Kenny? Chérie, je l'ai. Oh. Bien joué. Est-ce que ça te suffit? C'est ce que je vais voir. Oh, c'est défendu dans un hôpital. Oh, zut. Il vaut mieux apprendre la nouvelle à Ackerman de vive voix. Tu restes près d'elle? Oui, bien sûr. Je suis venue comme prévu vous informer de l'évolution de l'affaire Robertson, monsieur. D'après mon enquête, c'est une affaire frauduleuse. En avez-vous la preuve? Non, mais jetez donc un coup d'œil à ce que j'ai découvert. Madame Garrett, ça ne m'intéresse pas. Si vous me prouvez que l'affaire est frauduleuse, j'écouterai. Ça ne m'enchantera pas de voir mon ranch m'échapper, mais j'écouterai. Est-ce que ça vous intéresserait davantage s'il était question de meurtre? Asseyez-vous, Bess. Tu vas bientôt plonger. Tu n'as pas l'ombre d'une preuve. Compte pas là-dessus. Je suis plutôt douée. T'oublies-moi aussi. Ne me fais surtout pas d'embrouille. Je te préviens, je vais tout avoir, Bess. Je vais tout avoir, ce dont sur tout l'argent, ton mari, tout le reste, compris. C'est toi la perdante. C'est moi qui aurai tout. J'aurai ton mari, le pognon et tout le reste. Et t'as pas intérêt à continuer à me mettre les bâtons dans les roues. Tu avais raison. On a trouvé des traces de cumidine dans la bouteille de jus de canneberge, mais pas d'empreinte. Ça, c'est dommage. Bon, écoute, Walter, que je sois son avocat, je m'en fiche comme de l'an 40. Quoi ? Oh, désolé. Je suis à l'hôpital Riverside et je vais confier l'affaire à Bradley Wilson. Avec ce que j'ai et ce que lui trouvera dans les dossiers de l'hôpital, il ne s'agit plus de fraude, on va la coincer pour meurtre. Il faut un tas d'arguments pour ça. Oui, oui, je sais, je fais mon possible. Hé, pas d'imprudence. Hein. Merci, Walter. Au revoir. Je suis à vous dans un instant. Non, c'est pas tout. Oui, je note. Je ne te l'ai pas donné, c'est compris? Qu'est-ce que c'est? Ton entrée à la faculté de droit. Hélène Robertson a tué Glassman parce qu'il l'avait plaqué pour Bonnie Canuso. Tu en es sûre? Absolument. Et j'espère bien que tu as la preuve. Maman! Ken! Oh, maman! Merci, ma fille. Maman, dis-moi, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien du tout. Est-ce qu'Hélène Robertson est passée vous voir? Qui ça? Cette infirmière que tu aimais tellement, tu sais. Je me rappelle qu'elle m'a apporté du jus de canneberge. Hier, je crois. Ou bien peut-être avant-hier. Il me semble qu'elle était là aussi hier soir quand je suis tombée. Et je crois que c'est cette femme qui m'a poussée. C'est fini. Maman, ça va aller. C'est fini. Est-ce qu'on va pouvoir se servir de cette histoire contre elle? Ça n'est pas assez pour le tribunal, mais c'est suffisant pour continuer. Je suis désolée, chérie. Elle m'avait prévenue, mais je ne l'avais pas prise au sérieux. C'est pas grave. Elle m'avait prévenue aussi. Ouais, c'est ça, oui. Allô? Ken, c'est Bradley, je suis au Riverside. Désolé d'appeler aussi tard, mais il faut que je parle à Bess. Seconde, Bradley. Oui? Bess, tu avais raison. Tu peux venir me retrouver. Tu ne vas jamais le croire. J'arrive tout de suite. Il a trouvé une piste. C'est bien, mon grand. C'est très, très bien, mon grand. Chérie, l'heure a sonné. Hélène, qu'est-ce que tu... sur la boîte vocale. Ici Walter, laissez un message ou tapez votre numéro après le bip, je vous rappelle dans 10 minutes. Bonsoir Walter, ici Ken Garrett, je viens juste d'avoir un coup de fil d'Hélène, je suis pratiquement sûr qu'elle est en ce moment au Riverside dans l'aile où il y a les bureaux je pense. Bess est en train de s'y rendre mais je n'ai pas eu le temps de la prévenir alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me rejoindre là-bas tout de suite, merci. Bonsoir, Madame Robinson, je sais qu'il est tard, mais ici Ken Garrett qui habite tout près de chez vous. Pourriez-vous m'envoyer Wendy? J'ai un petit problème à régler et j'ai besoin immédiatement d'elle. Oui, oui, merci infiniment. Oui, au revoir. Bradley, qu'est-ce que tu as ? Bradley ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est peut-être moi le problème. Allez, avance. Elle doit avoir hâte de savoir. Pourquoi tu ne lui dis pas comment j'ai fait, Bradley ? Elle s'est introduite dans la réserve de sang. Glassman avait lui-même donné son sang avant. Et elle injectait dedans du Diprivan. Pour que Glassman, une fois mort, ce soit Bonnie qui t'avait volé ton fiancé que l'on tienne pour responsable. Subtil comme stratégie. Il doit bien y avoir des preuves de tout ça. Oh oui, bien sûr. Il y a des tas de preuves. Les poches de sang, le cumidine, le barbiturique qui a tué Bonnie. C'est pour ça que je suis venue ici. Pour m'occuper de la seule et unique personne qui détient toutes les preuves en question dans ses archives. Et moi, je vais m'occuper d'elle. Oui, réfléchis, Bess. Je crains qu'elle ne soit pas douée dans ce domaine. Ken lui a compris, n'est-ce pas, Bess? Il sait, lui, ce qu'il arrive à un homme qui ose me tromper. Parce que c'était toi. C'est toi qui as tué le petit, hein? C'était toi qui devais le recoudre. Tu l'as entaillé d'un coup de lame et il s'est vidé de son sang. Tu aurais dû te contenter de faire payer l'hôpital. Maintenant, je vais te forcer de te tuer. Mais j'avoue cependant que ça va être un plaisir. Et le pauvre Ken, il ne saura jamais la vérité. Bradley, crois-tu vraiment qu'elle va te laisser en vie? Oh, mais il a confiance en moi, n'est-ce pas, Bradley? Oui, mais... Tu ne vas pas quand même me laisser tomber, toi aussi? C'est seulement que j'aime pas trop la vue du sang. Tu ne vas pas aimer ce qui suit, alors? Non, fais pas ça! Ah! Voilà, doucement. Dis-moi, ce que tu as fait de Bess, où est-elle? Va au diable. Hélène, je t'en supplie, dis-moi où est Bess. Morte ou en train de mourir? Tu préfères t'occuper de qui, Kenny? Hein? De moi ou de ta femme? Bess! Bess! Intervenez que sur mon ordre. Appelez la toute émotière. Restez où vous êtes. Regardez les mains en évidence. Restez où vous êtes. Ne faites pas ce geste. Laissez tomber votre arme. Votre arme? Bess! Allez, passez-lui les menottes! Chérie. Ah. On va s'occuper de toi. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites aux urgences qu'ils envoient une équipe tout de suite. Code bleu, elle a été blessée au dos par balle. Il me faut des poches de sang et du sérum. Vite, grouillez-vous. Je m'en charge. Ici la voiture 200. J'appelle le central. Suspect maîtrisé, arrêté. Terminé. Accroche-toi. C'était pas toi. C'est elle qui a tué le petit. Oh. On en parlera plus tard, chérie. L'état stable. Ouvrez la perf au maximum. Allez préparer le bloc, j'assisterai le chirurgien. Bonjour, docteur. Bonjour. On y va. Emmenez-la au fond du couloir à droite. Salle numéro 1. Je me réjouis à l'idée de n'être qu'une maman pendant quelque temps. Tant mieux. Si on rentrait brûler mon tablier. C'est vrai que la blouse de chirurgien te va beaucoup mieux. Ouais, c'est sûr. Je me demande si je reprendrai le travail. Oh, sûrement. Tu aimes trop damer le pion à mes collègues. Ça risquerait de te manquer. C'est ce que dit Dick Lasset. Oh, seulement au mauvais. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il se demande comment je peux dormir dans le même lit que l'ennemi. C'est vrai ça, comment tu fais? Comme il est dit dans le vieil adage, mieux vaut avoir l'ennemi sous sa couette.